pour l'organisation. Donc, la session de cet après-midi donc, portera sur des propositions du 1er 20e siècle. Et même là, nous allons peut-être un tout petit peu antérieur, en tout cas avoir des visions un peu plus en amont, avec l'intervention de Clotilde Verward, qui est maître de conférence au département de musique de l'Université de Paris 8 et membre du laboratoire Musidance. Donc, ses recherches portent notamment sur la théorie harmonique et la pratique de l'accompagnement au clavier dans les répertoires de musique de chambre vocale et instrumentale entre 1700 et 1850, ainsi que sur la romance française dont il a été question déjà ce matin autour de 1800. Elle étudie particulièrement l'interprétation historiquement informée des romances et la place de ces dernières dans la littérature entre 1780 et 1830. Et donc elle va intervenir sur le poème pastoral de Massenet, Rimes neuves et vieilles. Bonjour à tous. Donc en effet, je sors un petit peu de ma zone de confort, étant plutôt autour de 1800 que de 1900. Mais c'est la faute à Jean-Pierre Clarisse de Florian. Voilà, j'irai me plaindre à lui. Donc, dans ses souvenirs, Jules Massenet relate ainsi sa rencontre avec Armand Silvestre. « Le hasard voulut qu'il fût un jour mon voisin sur l'impérial d'un omnibus, et de propos en propos, nous descendîmes les meilleurs amis du monde. Voyant qu'il avait affaire avec moi à un bon public, et c'était le cas, il me raconta de ses histoires les plus drôlatiquement inconvenantes dans lesquelles il excellait. Mais pour moi, le poète dépassait encore le conteur, et un mois après, j'avais écrit le poème d'avril, tiré des exquises poésies de son premier volume. Le poème d'avril, bientôt suivi du poème du souvenir, marque les débuts d'une collaboration fructueuse avec Armand Silvestre, appelé à être un des plus importants poètes mis en musique par Massenet, si ce n'est le principal. Mais bien que le poème pastoral comprenne deux textes de Silvestre, appelé intermède, seul le nom de Florian est mentionné par Massenet dans son bulletin de déclaration à la SACEM en date du 6 janvier 1874. Parmi les quelques 150 poètes représentés dans les 333 mélodies de Massenet, je m'appuie là sur les chiffres et références de l'intégrale qui a été enregistrée pour le label Atma Classique en 2022, qui sera d'ailleurs la source des quelques extraits que nous entendrons. Jean-Pierre Clarisse, donc, dans cet ensemble, occupe une place singulière. Hormis une mélodie de l'opus 12 sur un texte de Pierre de Ronsard, aucun autre poète antérieur à 1800 ne trouve place dans ces mélodies. Georgin Rizik érige pourtant Massenet en expert des évocations musicales du passé, n'ayant pas son pareil pour les galanteries typiques du XVIIIe siècle. À l'époque de Massenet, Georges Servière parle de pastiche pour les scènes de Florian du poème pastoral. Dans ce domaine, la collaboration entre Massenet et Silvestre semble naturelle, ce dernier donnant pour titre à son premier recueil de poésie « Rimes neuves et vieilles ». Dans la deuxième série des Contemporains, études et portraits littéraires, en 1887, Jules Lemaître écrit à propos de Silvestre. Puis, le poète soupire des vers pour être chanté, des romances où il y a des fleurs et des oiseaux, comme dans celles que chantaient nos mères du temps de Louis-Philippe. Mais elles sont adorables, ces romances, où il n'y a rien que des rossignols, des lys, beaucoup de lys, des roses, des violettes, des raisins, des abeilles, l'aube, le crépuscule, l'automne et le printemps. Et mêlées à toute la nature, au point qu'elle ne s'en distingue presque plus, l'image de la femme aimée. Et pour une fois, la musique a su ajouter à la poésie au lieu de s'effacer par des sensations moins définies et plus fortes. Et comme ces petits vers ne sont qu'un tissu d'images et d'impressions flottantes, les mélodies de Massenet nous ont peut-être encore mieux fait sentir tout ce que recèlent d'enchantement ces vagues et délicieuses romances que je voudrais appeler des romances panthéistiques. Fin de citation. Cette évocation artistique commune d'un temps révolu, celui de l'âge d'or de la romance, ne suffit pas, selon Servière, qui relève une trop grande disparité entre les idylles florianesques surannées et la modernité des vers de Silvestre. Le cycle a d'ailleurs été souvent morcelé, que ce soit dans les éditions des recueils de mélodies de Massenet, dans les orchestrations qu'il en fait, puisqu'il n'orchestre que les numéros 2, 3 et 5, ou bien dans les interprétations, comme le relèvent les journaux dès les premières années qui suivent la parution de la partition. D'ailleurs, le premier enregistrement intégral date de l'année dernière. Ce cycle forme cependant un tout cohérent dans lequel les mélodies sont subtilement agencées
et le choix des textes de Florian se justifie au cœur même de la démarche créatrice. Mort des suites de son emprisonnement en 1794, Florian reste très présent dans le paysage littéraire du début du XIXe siècle. Des œuvres inédites paraissent à titre posthume, et son œuvre complète fait l'objet de plusieurs rééditions jusque dans les années 1830. Léo Claressy l'intègre même à la collection des classiques populaires en 1888. Il reste avant tout le père d'un couple de bergers idéalisés, Estelle et Némorin. Cet idéal pastoral perd toutefois de sa fraîcheur au fil du temps et est davantage considéré comme une lecture pour adolescents empreinte de mièvrerie. Une pastorale qui, je cite, « nous a tous charmés à 15 ans et dégoûtés à 16 », comme on peut le lire dans la Vogue parisienne du 2 octobre 1868. Dans l'univers bucolique des intermèdes de Sylvestre, dans le poème pastoral, aucune référence directe à Florian n'est décelable. En revanche, il fait plusieurs fois référence à l'écrivain des Lumières dans ses œuvres en prose à partir des années 1880. L'allusion au berger de Florian se fait souvent sur le ton de la plaisanterie. Les jeunes gens, trouvant du charme et prenant plaisir à la lecture du roman d'Estelle, sont fréquemment représentés dans les romans, comme ici, dans les récits de belle humeur. Enfin, au détour de quelques traits d'humour apparaissent, associés au genre de l'églogue, les noms de Berquin et Florian, qu'il aurait voulu pour maître. L'œuvre de Florian bénéficie d'un certain regain d'intérêt au milieu du siècle, avec justement Le plaisir d'amour qui fait partie du premier volume des Échos de France, paru en 1853, ou des adaptations comiques, parfois très éloignées, des amours d'Estelle et de Némorin. Alors si on regarde précisément les textes choisis par Massenet, trois des scènes de Florian proviennent du roman d'Estelle, paru en 1788. Le texte de la première étant réparti entre le chœur initial, pastoral, et celui qui clôt le cycle. La musette, elle, paraît dans le mélange de poésie et de littérature en 1787, et les intermèdes de Sylvestre sont deux extraits de Myrtaud, un ensemble de six poèmes faisant partie des vers pour être chantés. Et bien que Florian appartienne à une époque et une esthétique tout autre que les poètes de la Pléiade, qui sont plébiscités par plusieurs compositeurs contemporains de Massenet, il constitue néanmoins une forme de relais vers le XVIe siècle, mais cette fois-ci dans une influence hispanisante. La musette est en effet imitée de Jorge de Montemayor, tandis qu'Estelle fait suite à un premier roman pastoral de Florian, Galatée, qui est en réalité une adaptation de la Galatea de Miguel de Cervantes. Les textes numéros 1 et 6 sont également mis en musique à la même période par Benjamin Godard dans ses opus 10 et 11. Notons d'ailleurs que Florian, pour les deux compositeurs, est le seul poète antérieur au XIXe siècle. La musette est mise en musique par Étienne Rey en 1876, et quant aux textes de Sylvestre, ils sont également exploités ultérieurement par Alexis Rostand et Edmond Michotte, ce dernier qui d'ailleurs va mettre en musique l'ensemble des six poèmes de Myrtaud. On pourra ajouter d'ailleurs à cela les textes de Florian, qui sont également repris par Hervé dans son opéra comique Estelle et Némorin en 1876. Cependant, le choix fait parmi les romances d'Estelle est original. Les deux romances les plus fréquemment reproduites dans les anthologies de chansons populaires au cours du siècle sont en réalité « Ah, s'il est dans votre village », dont il existe une version attribuée à la reine Marie-Antoinette, et « Que j'aime avoir les hirondelles ». Si deux des textes sont d'ailleurs communs à Massenet et Godard, comme vous le voyez, le troisième est encore moins connu, Paysage. La dernière mélodie identifiée sur ce texte date de 1850 par Victorine Farinck. En dédoublant le dernier numéro pour séparer la partie soliste de la partie du chœur, on constate que ce texte, Paysage, est précisément au cœur du cycle et en constitue un centre de symétrie. Victorine Farinck, comme Joseph Bernard Voûte en 1819, intitule cette romance « Souvenir », sachant qu'à quelques exceptions près, ces romances qui sont issues de romans ne comportent normalement pas de titre. Avec « Paysage », Massenet fait un choix très différent. Et on notera d'ailleurs l'existence d'un autre titre, « Désespérance », sur la page de titre de l'édition de Hartmann. « Paysage » étant pourtant celui qui apparaît à l'intérieur de la partition.
Paysage, c'est aussi le seul texte dans lequel le nom d'Estelle apparaît. S'installe alors une dualité dans la représentation féminine, Estelle étant précédée par Myrto dans l'intermède de Sylvestre, Aurore. Myrto pourrait sembler bien loin de la douce Estelle du roman de Florian, elle tisse pourtant tout un réseau de connexions, depuis les origines de la poésie pastorale jusqu'aux œuvres du duo Massenet-Sylvestre. Le nom même de Myrto renvoie aux églogues de Virgile, genre dans lequel Florian se distingue d'ailleurs en 1784 avec Ruth, une églogue qui est récompensée par un prix de poésie de l'Académie française. Elle se retrouve aussi dans les bucoliques d'André Chénier avec ce célèbre vers « Elle a vécu Myrto, la jeune Tarentine ». Ce poème qui est écrit vers 1787 par un ami de Florian, lui aussi victime de la terreur. Enfin, Myrto est une métamorphose ou nouvelle version de la mignonne du poème d'Avril. Dans le premier recueil de poésie de Sylvestre, donc paru en 1866, Myrto est le titre d'un seul poème. Myrto ne sait pas de chanson. À celui-ci, pour l'édition de 1875, sont adjoints trois nouveaux textes, dont les deux qui sont mis en musique dans le poème pastoral, ainsi que deux autres qui sont issus de Mignonne. Mignonne dont la structure est profondément remaniée, comme vous le voyez, pour l'occasion. Et l'analyse de la partition viendra d'ailleurs renforcer ce lien entre ces deux cycles de Massenet, comme nous le verrons par la suite. Massenet effectue quelques coupes dans les textes, on en a déjà parlé ce matin. Deux romances d'Estelle donc, sont amputées d'une strophe, la première « Voici venir le doux printemps » et la dernière « Adieu bergère chérie ». Le chœur assume un rôle de commentateur un peu dans l'esprit du théâtre antique, introduisant l'histoire puis offrant une morale en conclusion. Et si l'on nommait ces interventions, la structure révèle de nouveau une répartition équitable du nombre de strophes de part et d'autre de la mélodie centrale « Paysage ». Dans cette histoire narrée par le chœur, une nouvelle chronologie se dessine à rebours de celle des œuvres littéraires. Ici, l'aurore précède le crépuscule, fixant le cadre temporel sur une journée ou le cycle de vie d'un amour. De la même façon, les adieux à la bergère viennent clore le récit, tandis qu'ils interviennent au début du roman pastoral de Florian, dont la fin heureuse est à l'opposé de la sentence du chœur « Le beau printemps ne revient point pour les amants ». Georgine Rusick met en avant l'emploi par Massenet de formes archaïques. Les textes de Florian se prêtent avant tout aux deux modèles formels communément employés dans la romance vocale, à savoir la forme strophique, et une alternance entre un couplet majeur et un couplet mineur, ce qui peut donner une forme ternaire ABA lorsque le poème ne comporte que trois strophes. Par ailleurs, le retour d'un ou plusieurs vers en fin de strophe appelle à un refrain. Cette caractéristique, d'ailleurs, se retrouve dans les textes de Sylvestre. Le contraste de mode peut également s'appliquer à l'échelle de la strophe, par exemple pour mettre en valeur le refrain, comme c'est le cas dans Musette. Le parcours tonal du cycle contribue encore un peu plus à la cohérence de l'ensemble, en exploitant les relations tonales fortes d'une mélodie à l'autre, ton relatif, relation de quinte, ton homonyme. La mélodie centrale se trouve de nouveau mise en évidence, puisqu'elle est au ton de la dominante par rapport à la première, correspondant ainsi au point de tension maximal dans le discours musical, si on suit une logique et une syntaxe tonale. Autour de cette mélodie se crée une sorte de force centrifuge, avec ses relations de quinte ascendante, fa, do, do, sol, tel un dernier élan d'espoir ou de désespoir, désespérance peut-être, encadré par les deux plaintes du berger, qui elles sont énoncées dans le mode mineur, les adieux de la dernière signifiant un point de non-retour. Le parcours tonal du cycle du poème pastoral est clairement à mettre au compte d'une construction harmonique plus traditionnelle, faisant référence au passé. La comparaison avec les deux cycles précédents, donc poème d'avril et poème du souvenir, montre une grande différence de traitement. L'utilisation des seuls tons voisins pour le poème pastoral ne traduit absolument pas les mêmes ambitions que les relations de seconde et de triton dans les deux premiers poèmes. Dans les mélodies antérieures au poème pastoral, Massenet privilégie les relations de tierce, impliquant un chromatisme dans les modulations observées à l'échelle de chaque œuvre. Celles-ci sont employées ici, mais avec plus de parcimonie, au profit d'un retour aux modulations par défaut de la syntaxe classique, modulation au ton de la dominante dans Pastoral,
couleur du ton relatif, puis ton homonyme dans la musette. L'évitement ou le retardement de la sensible donne une couleur modale, parfois archaïsante. Cela peut se traduire par des accords de dominante incomplets, comme dans la musette, ou l'absence de ces derniers dans un balancement qui privilégie la fonction de sous-dominante, comme dans le prélude de la pastorale ou le refrain de la musette. Cet évitement de la sensible se retrouve également dans la ligne vocale d'Aurore, texte de Sylvestre. De façon générale, le recours à des accords broderie, plus particulièrement des enchaînements 1-2-1, comme dans Pastoral, renforce cette couleur modale. Il se rencontre également dans les deux intermèdes de Sylvestre, comme dans les mélodies antérieures à ce cycle. De même, le troisième degré reste exploité comme degré transitoire vers la dominante ou représentant secondaire de la tonique. Les références à un style musical archaïsant sont pour la plupart revisitées par Massenet. La syntaxe tonale reste bien présente dans son langage harmonique, qu'il s'agisse du cycle fonctionnel ou du cycle des quintes, mais il réagence de façon subtile certaines progressions caractéristiques héritées du XVIIIe siècle. La longue introduction au piano de Pastoral, pas moins de 30 mesures sur les 80 que compte ce chœur initial, et de structure tripartite avec le retour de la phrase initiale à la mesure 25. Ce retour est précédé d'une marche dont chaque palier est prolongé par des oscillations entre deux accords parfaits à distance de seconde majeure. Si l'on fait abstraction de ces broderies, cela permet de mettre en évidence une marche dont la basse évolue par seconde ascendante, puis tierce descendante. C'est un modèle pratiqué depuis bien longtemps dans les traités de basse continue et les traités d'harmonie, que l'on retrouve par exemple dans les partimenti de Fenaroli en usage depuis le XVIIIe siècle. Toutefois, cette basse fait habituellement alterner accords de sixte et accords parfaits. L'usage des seuls accords parfaits dans cette progression renvoie à des références plus anciennes encore, telles que les variantes de suite d'accords ordinaires, appellation pour les accords parfaits, que l'on trouve dans les Regulae Consentum Partiturae de Georg Muffat en 1699. L'exemple de Muffat étant réalisé strictement à trois voix, la quinte est absente du premier accord pour des raisons évidentes de contrepoint, mais l'agencement des deux parties supérieures est identique à celui de Massenet. Un tel enchaînement renforce encore la couleur modale très présente dans cette introduction. Notons d'ailleurs, au retour du thème principal à la mesure 25, le troisième degré en remplacement de la tonique, sous-entendue dans l'énoncé initial qui se fait sans accompagnement. Autre exemple de progression archaïsante, dans les adieux à la prairie, toujours du poème pastoral, Massenet habille le tétracorde descendant de retard à la basse sur chaque palier, le rendant ainsi encore plus expressif, accentuant le caractère plaintif de ce passage, mais caractère qui est ici implicite, absent du champ lexical de ce vers. Je vais quitter la prairie, où tu venais tous les jours. L'effet suspensif du tétracorde, avec son arrêt sur la dominante, est rendu plus tragique par l'élan expressif ascendant de la partie vocale, par l'absence de la dominante ré, dont le mouvement de basse suscitait l'attente, l'emploi d'un accord de septième diminué plus tendu et un retard encore plus prononcé que dans les mesures précédentes. De telles progressions ne sont pas l'apanage du poème pastoral. On retrouve par exemple ce tétracorde descendant dans la sixième mélodie du poème d'avril. L'expressivité se concentre cette fois dans l'insistance, à la voix comme au piano, sur le cinquième degré si bémol, la tension se résolvant par la poursuite des tierces parallèles dans le grave, ramenant à un accord de tonique renversé. Sous le flot de mon soupir et la grève. Autre exemple d'une évocation à peine voilée et antérieure au poème pastoral, celle de la Romanesca, dans l'introduction du Portrait d'une enfant, cette seule autre mélodie de Massenet sur un texte antérieur au XIXe siècle. La ligne de basse, prise isolément, fait entendre la formule caractéristique de la Romanesca,
avec ses deux cartes descendantes qui inviteraient à l'harmoniser en ré bémol majeur, comme dans l'exemple que vous pouvez voir en bas à droite. Toute identification du temps principal est suspendue jusqu'à la troisième mesure avec l'apparition donc de la sensible sol bécard. Rétrospectivement, ce début est alors un enchaînement tout à fait fonctionnel, sous-dominante, dominante, tonique, que Massenet réitère immédiatement en allongeant la dominante mesure 5 et en faisant intervenir la tonique sur un temps fort, début de la mesure 6. De cette façon, bien sûr, pour asseoir le ton principal. Cette référence à une basse obstinée, en usage depuis le XVIe siècle, ne saurait être plus appropriée dans la mise en musique d'un texte de Ronsard. Venons-en à présent à la question des carrures. Fritz Noske attribue à Massenet le fait d'avoir délivré la mélodie de la carrure régulière en introduisant une forme de prose musicale capable de traduire toutes les nuances du texte. La régularité des carrures fait pourtant partie des caractéristiques du genre de la romance, auxquels les textes de Florian répondent initialement et naturellement. Sans totalement déroger à cette régularité, ici de deux mesures par vers, Massenet traduit la détresse du berger par des incises venant toujours plus empiéter sur la précédente. Les trois premiers vers commencent sur des temps forts, tandis que le quatrième anticipe ce temps fort de deux croches, la levée de la mesure 27. Les deux vers suivants sont ajoutés par Massenet et forment une contraction des précédents, donc les ajouts ici sont signifiés en vers. L'interrogation se veut toujours plus pressante, en témoigne cet insistant « pourquoi » forte et ed appassionato, qui laisse à peine la première croche de la mesure 30 à l'incise précédente. Les manipulations du texte sont plus manifestes encore dans la dernière mélodie. Contrairement aux autres romances de Florian choisies par Massenet, celle-ci ne comporte pas de refrain textuel, ce qui la différencie de toutes les autres, les intermèdes de Sylvestre y compris. Si l'on compare avec des mises en musique antérieures à celles de Massenet, Voutz et Godard utilisent toute la première strophe comme refrain qu'ils réintroduisent après chacune des strophes suivantes. Massenet, lui, remodèle entièrement le texte en une sorte de forme rondeau. Rondeau, si l'on considère ici un deuxième couplet plus long, formé des sections B' et C. Il procède ainsi à la mise en valeur de deux vers. « J'ai peu de temps à souffrir, tout mal cesse avec la vie. » Ces derniers sont énoncés sur une nouvelle phrase mélodique, C, et il s'agit du seul passage requérant un tempo différent. La distinction est d'ailleurs nettement marquée par l'insistance sur le maintien du tempo initial dans toutes les autres sections. Ces deux vers sont à mettre en relation avec la sentence énoncée par le chœur « Le beau printemps ne revient pas pour les amants ». Un dernier exemple en lien avec le langage harmonique de Massenet, le retour subtil au ton principal dans « Paysage », donc cette mélodie centrale, après un énoncé de la phrase initiale à la tierce supérieure en mi majeur. Ce retour semble même appelé par le texte « Revenez ». Cette mélodie constitue également une connexion supplémentaire avec le poème d'Avril, puisque le parcours tonal est en effet exactement le même que dans la septième mélodie de cet autre cycle. La modulation se fait par relation de tierce en partant de la même tonalité, do majeur, vers les tons éloignés de mi majeur et mi bémol majeur. Et cette septième mélodie du poème d'Avril est justement sur un des textes que Sylvestre transfère de Mignonne à Myrto. Donc le premier vers est sur la source, elle se pencha. Oh, souvenir, souvenir cruel et doux. Revenez, revenez, pourquoi fuir? Enfin, le chœur conclut en reprenant sa mélodie initiale, d'abord un ton plus haut et minorisé, puisqu'il avait commencé en fa majeur alors que les adieux sont en sol mineur.
Massenet réagence ses incises mélodiques afin d'amener celle en la mineure plus naturellement. Il la déplace du troisième au quatrième vers pour introduire le ton de la comme dominante de la dominante avant de le minoriser. Le piano conclut ce chœur exactement de la même façon que le premier. Ces quelques éléments d'analyse montrent à quel point Massenet s'est emparé de ses textes, tant ceux de Sylvestre, son ami, que ceux de Florian, le poète depuis bien longtemps décédé. Il y a certes une différence d'époque et immanquablement de style entre Florian et Sylvestre, mais Massenet a su faire coexister leurs textes dans un ensemble cohérent dans lequel chacun a une ou plusieurs fonctions spécifiques. Les romances de Florian fournissent la matière aux commentaires du chœur et à l'expression des émotions du berger, tandis que les intermèdes de Sylvestre tissent autour de la plainte centrale un cadre spatio-temporel. Les évocations d'un style musical ancien sont peut-être plus nombreuses dans ce poème, mais elles ne sont pas inédites dans le style du compositeur. Les différences d'une mélodie à l'autre du cycle ne relèvent pas tant d'une distance entre Florian et Sylvestre, mais plutôt d'une caractérisation propre à chacun des textes. L'intérêt pour les musiques du passé en cette seconde moitié du XIXe siècle est largement satisfait par les diverses anthologies, chansons d'autrefois, échos de France et autres, qui rassemblent des airs anciens, parfois réharmonisés. D'ailleurs, c'est ce que fait Massenet avec le Noël « Venez divin Messie » en 1887. Mais ici, bien plus qu'une invitation au voyage dans le passé, Massenet fait venir à son auditeur ses textes anciens, sertis d'un nouveau cadre, d'une nouvelle expression. On pourrait considérer également que la figure féminine de Myrto, évoquée dans l'Aurore, est une façon de rajeunir, de moderniser le personnage d'Estelle, d'en faire une jeune fille de son époque, s'éloignant de l'image de la bergère enrubannée, tout droit sortie d'une bergerie de Watteau. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre intervention qui renoue avec des problématiques évoquées ce matin sur la manière précisément dont la mélodie s'est définie. Il y a aussi un point avec Reynaldo Hahn qui j'ignorais, c'est l'association entre la mélodie et les chœurs aussi qui interviennent dans cette forme de cycle. Et puis la définition même de mélodie, puisque finalement on a dans ce poème pastoral quelque chose qui excède ce qu'on définit traditionnellement par mélodie. Donc je pense qu'on reviendra là-dessus pour les questions, mais on enchaîne tout de suite avec l'intervention donc de Jean-Nicolas Illouz, qui est professeur de littérature du 19e siècle à l'Université de Paris 8, qui est notamment un spécialiste de la poésie de Gérard de Nerval, puisqu'il dirige l'édition des œuvres complètes de Nerval au Classique Garnier et dirige la revue Nerval avec Henri Seppi. Et par ailleurs, donc, il travaille sur la crise du lyrisme romantique dans la modernité poétique, sur la prose des poètes, sur le symbolisme et sur Mallarmé, ainsi que sur les rapports entre la poésie et les arts. Et il va faire paraître prochainement un livre intitulé « Mallarmé entre les arts » aux presses universitaires de Rennes. Donc nous l'écoutons nous parler précisément de Mallarmé pour sa communication « Musicienne du silence », Mallarmé Ravel autour du poème « Sainte ». Un grand merci aux organisatrices du colloque, et pour les remercier, peut-être je voudrais commencer d'emblée par faire écouter Ravel mettant en musique Sainte, en entier si possible. Que font une harpe par l'eau
l'horloge formée avec son vol du soir. Pour la délicate phalange du doigt que sans le vieux santal ni le vieux Alors, au moment où Maurice Ravel choisit de mettre en musique le poème « Sainte » de Mallarmé, celui-ci a déjà une longue histoire et les effets de sa réception entre 1865, date de sa composition, et 1896, date de sa reprise par Ravel, sont révélateurs des transformations successives du champ littéraire et artistique entre le Parnasse, le symbolisme et la crise des valeurs symbolistes à l'orée du XXe siècle. Une première version manuscrite date en effet de 1865, vous l'avez sous les yeux. Elle est titrée « Sainte Cécile jouant sur l'aile d'un chérubin » avec un en sous-titre, l'indication générique, chanson et image ancienne. Le poème fut envoyé à la marraine de Geneviève Mallarmé, Madame Cécile Brunet, dont le mari Jean Brunet, poète, initiateur du Félibrige, était aussi maître verrier à Avignon. À la manière de la poésie précieuse, une adresse de circonstance en cache une autre, plus essentielle. De Cécile Brunet, le poème se tourne vers sa sainte patronne, Sainte Cécile, qui est la sainte de la musique. Que le poète Jean Brunet soit aussi un maître verrier n'est pas non plus indifférent, puisque le poème se présente comme la description d'un vitrail représentant Sainte Cécile. Dans l'écho de sa première réception, le poème répond donc aux critères esthétiques du Parnasse. Il s'agit d'un poème descriptif et même d'une description redoublée, puisque le poème, selon le dispositif de l'ekphrasis, évoque un vitrail évoquant une sainte. Le genre est donc celui de la transposition d'art, cher à l'école parnassienne, même si l'on devine déjà que le poème porte les procédés de l'art pour l'art à un tel degré de raffinement que dès 1865, le poème « Le Parnasse » avec Mallarmé apparaît gros de quelque chose qui le dépasse et comporte les ferments d'une autre esthétique, non plus une esthétique picturale de la description, mais déjà une esthétique musicale de la suggestion. C'est d'ailleurs comme un petit poème mélodique et fait surtout en vue de la musique que Mallarmé présente son poème à Théodore Aubanel, l'un de ses correspondants. Dans ce premier moment de la réception de ce poème, le poème n'a qu'une existence privée. Il faut attendre près de 20 ans pour qu'il soit publié et vienne au-devant de la scène quand Mallarmé le confie à Verlaine pour qu'il le recueille dans les Poètes maudits. On sait que cette brochure, Les Poètes maudits, va avoir un effet très réel dans la désagrégation des valeurs du Parnasse et dans l'avènement d'une nouvelle sensibilité littéraire que va bientôt faire cristalliser l'école symboliste. Élaboré dans les années parnassiennes, le poème Sainte, par son obscurité, par la sorte de credo musical et mystique qu'il énonce, se voit donc maintenant embrigadé dans les premiers du combat du symbolisme. Il est vrai qu'entre-temps, Mallarmé est devenu une figure dissidente du Parnasse, puisque l'après-midi d'un faune a été refusé par le comité du Parnasse contemporain, et parallèlement, son nom circule non seulement dans les Poètes maudits, mais aussi dans À rebours de Huysmans, si bien qu'il fait figure d'un chef possible d'une nouvelle école, qui sera l'école symboliste. Ainsi projeté dans la mêlée symboliste,
Le poème est intégré en 1887 dans la première édition des Poésies de Mallarmé. Et là, il occupe la place centrale, signe qu'après 1886, qui a marqué la naissance officielle du symbolisme, le poème est ressenti comme une sorte de poème manifeste, représentatif d'une poétique musicale, d'un art de la suggestion, d'une poésie ésotérique et mystique. Bref, en 1887, Sainte, née 20 ans plus tôt, sous les auspices du Parnasse, apparaît maintenant comme une défense et illustration du symbolisme. Maurice Ravel est sans doute conscient de cette exemplarité symboliste du poème quand, près de 10 ans plus tard, en 1896, il le choisit pour le mettre en musique. Mais à cette date, l'école symboliste commence déjà à s'éloigner de l'horizon d'attente de la création contemporaine. La partition de Ravel est de ce point de vue ambivalente. D'un côté, elle peut apparaître comme un modèle de musique symboliste, de l'autre, elle ajoute à cet héritage une marque d'ironie inhérente à la musique. Vladimir Yankelevitch y a été sensible. Le mystère, chez Ravel, est joué, et joué, il est aussi distancié. La Sainte de Ravel porte moins l'idée d'une révélation qu'elle n'exprime une énigme, et la musique se fait tout entière interrogative. Par les moyens propres du musicien, Ravel rejoint ainsi intuitivement, dans les intuitions d'artiste, une ambiguïté qui est en fait déjà celle de Mallarmé, dont Rodenbach disait qu'il est un peu prêtre et un peu danseuse. Quoi qu'il en soit, cette première réflexion me permet de souligner, au fond, la plasticité du temps littéraire. 1865, 1883, 84, 1887, 1889, 1896, toutes ces dates qui jalonnent la réception, recréation du poème, dit aussi, au fond, que le temps des œuvres est beaucoup plus complexe que les découpages des écoles, et si Sainte date des années symbolistes, en aval, il récupère tout un héritage parnassien et en amont, avec Ravel, il projette Mallarmé déjà aux avant-gardes du XXe siècle qui vient. Alors, pour entrer dans le poème plus avant, il faut partir de la forme du poème. Je vous ai j'ai fait circuler un imprimé parce que on voit peut-être mal ici encore, mais le poème est repose sur une symétrie de 2x2 quatrains séparés par la ponctuation de 2 points. La valeur de ces 2 points est moins grammaticale que musicale. Ils indiquent une répétition et la répétition est soulignée par la reprise en tête de chacun des 2 huitains d'un complément de lieu presque identique à la fenêtre qui devient à ce vitrail. Le déictique aussi souligne la répétition, mais dans la répétition, il y a une dissymétrie. Le premier verbe au participe présent, recélant, veut dire caché, alors que le mot ostensoir, à la fenêtre recélant, à ce vitrage d'ostensoir, veut dire montrer. Donc d'un huitain à l'autre, on passe de ce qui est caché à ce qui est montré. Le mouvement est celui d'une révélation, si l'on veut, d'une épiphanie, si l'on veut. Et dans ce mouvement vers la révélation de quelque chose, il se passe que la sainte de la musique, Sainte Cécile, dans les 2 premiers quatrains, se change en la sainte de la poésie, dans les 2 derniers quatrains, qui est à la fois la même, selon la valeur grammaticale des 2 points, et une autre selon la valeur musicale de ces mêmes 2 points, la musique impliquant une temporalité, donc une variation. Dans les 2 premiers quatrains, la sainte de la musique est entourée des instruments qui l'identifient dans l'iconographie religieuse, sur laquelle je reviendrai. Elle est entourée de la viole, la flûte, la mandore, avec les partitions liturgiques que sont le livre vieux, c'est-à-dire la Bible, ou le Magnificat. Dans les 2 derniers quatrains, au contraire, la sainte n'a plus d'autre instrument qu'une plume, plume, instrument du poète, et les partitions liturgiques ont disparu. Le vieux livre, le Magnificat, s'est changé en un sans le vieux livre. Voilà. Et donc la sainte de la musique est devenue la sainte de la poésie, qui est à la fois la même,
et une autre, qui est en dit Mallarmé, une musicienne du silence, c'est-à-dire la poésie est une musique mentale sans la réalisation sonore que requiert la musique instrumentale. Alors, cette transformation de la sainte de la musique en sainte de la poésie a des implications métaphysiques qui font de ce petit poème composé à la fin de l'année 65 et donc contemporain de la gestation d'Hérodiade un poème participant de la grande crise métaphysique qui va conduire Mallarmé, en creusant le verre, à trouver le néant et finalement à énoncer la mort du vieux et méchant plumage terrassé heureusement Dieu, écrit-il. Alors, j'essaie de revenir à mon texte. Voilà, attendez. Hop. Oh mon Dieu, je ne sais pas manier les choses. Ah. Voilà. Bon, vous allez me croire sur parole, je renonce à le manipuler. Donc voilà, le poème est, vous allez peut-être suivre sur les exempliers papier que je vous ai fait passer, un poème qui dit la mort de Dieu, qui dit la découverte du néant. Et je verrai trois indices qui disent la découverte du néant dans ce poème. Le premier est tout à fait explicite, il s'agit de l'annulation, la syntaxe de Mallarmé est toujours négative, de l'annulation et des instruments de la liturgie et des partitions de la liturgie. Ces partitions, c'est la Bible, le Magnificat. Mallarmé dit le livre vieux, d'abord, c'est le livre vénérable, et après, il dit sans le vieux livre. Le vieux livre, l'antéposition de l'adjectif, fait que ça devient le livre démodé, le livre suranné. Donc, premier indice, les éléments qui rattachaient la sainte, qui rattachaient l'art à un substrat théologique sont éliminés. Le deuxième indice de cette mort de Dieu dans ce petit poème qui n'a pas l'air si métaphysique que ça, mais qui l'est très profondément, c'est le vol du soir, l'atmosphère crépusculaire du poème. Il est question d'un vol du soir. Le poème emprunte à Baudelaire le mot « ostensoir » dans « Harmonie du soir ». Chez Baudelaire, le crépuscule a une valeur christique. Le crépuscule symbolise l'agonie solaire, image de l'agonie du Dieu. Chez Mallarmé, rien de tel, puisque Mallarmé, avec l'aide des mythographes que sont William Cox et Max Müller, rapporte les religions, les mythes, les légendes, à un substrat anthropologique immanent. Tout cela, les religions, ne disent rien d'autre que le drame solaire, que le soleil se lève et qu'on se couche et que l'on espère qu'il se lève. Et donc, le vol du soir de l'ange n'a plus, dans le poème de Mallarmé, cette aura christique qu'il aurait dans un poème romantique ou dans la langue de Baudelaire. Et si la sainte est dite pâle, est la sainte pâle, c'est qu'elle est diaphane et elle laisse entrevoir le néant, précisément, que recouvrent pour Mallarmé les représentations religieuses. Mais le troisième indice de cette mort de Dieu dans notre petit poème est plus saisissant encore. Dans le premier huitain, donc ce serait quand même bien que je le mette sous les yeux, je ne sais pas dans quel sens je vais. Alors, j'arrive pas. Oh mon Dieu. Non, je vais dans l'autre sens. Je n'arrive à aller que dans un sens. Ah, voilà. Donc, au fond, dans les deux huitains, dans le premier huitain, où il s'agit d'évoquer la sainte de la musique, se détache au vers 5 le verbe être. Est la sainte pâle. C'est dire que la musique est gagée sur l'essence de l'être. La musique repose sur une ontologie. Si vous relisez un certain nombre de fois le deuxième huitain, vous ne trouverez pas de verbe principal. Le verbe principal, il faut le supposer mentalement et il faut le rétablir à ce vitrage d'ostensoir et on passe au dernier vers, est
la musicienne du silence, sauf que Mallarmé a écrit musicienne du silence. Donc le verbe et l'idée, c'est le verbe être, le verbe de l'essence, c'est dire que la poésie, selon Mallarmé, doit aller au-delà de l'essence. La poésie est un art des fictions qui ne repose sur aucune ontologie. La sainte de Mallarmé n'est donc pas la sainte Cécile de Raphaël que vous avez vue défiler. Donc ce serait c'est un tableau qui se prête bien aux commentaires, mais je passe. Elle n'est pas non plus celle de Venezio, celle du Guerchin, celle de Carlo Dolci, ni celle de Mignard. Elle ressemble davantage aux Sainte Cécile de Gustave Moreau, plus crépusculaire, plus diaphane, plus lointaine, au symbolisme plus incertain. L'ange de Mallarmé n'est pas l'ange de l'Annonciation de Fra Angelico, mais il ressemblerait plutôt aux anges d'Odilon Redon, aux anges de la nuit. Dans tous les cas, cet ange qui prend son envol avec la poésie incarne une métaphysique du néant à laquelle une nouvelle religion de la beauté, d'autant plus intense qu'elle n'a plus aucune garantie transcendante, va désormais tenter de faire contrepoids. Et donc, si épiphanie il y a dans ce poème, ce n'est pas l'épiphanie de la sainte en tant que telle, mais c'est l'épiphanie du poème, du langage poétique qui montre ses opérations symboliques en acte et qui exhibe en quelque sorte la fiction qu'il est. Et donc il est aisé de lire Sainte comme un abrégé de poétique mallarméenne, d'abord d'une poétique musicale bien sûr. Nous sommes, et je vais passer vite là-dessus, nous sommes dans une époque où il s'agit toujours de faire en sorte que la poésie reprenne à la musique son bien. C'est un leitmotiv de tous les poètes symbolistes, Mallarmé en tête. Et Mallarmé va très loin puisqu'il ira jusqu'à retourner les choses. Non seulement la poésie ne doit pas le céder à la musique de Wagner, mais elle doit être en elle-même musique par excellence. La poésie est musique par excellence, mais une musique intérieure, une musique mentale qui se donne à l'esprit dans un solitaire, tacite concert, écrit Mallarmé. Alors, voilà l'idée, et puis voici comment on la met en pratique, cette idée. Je veux donc examiner la prosodie de Mallarmé dans notre poème, et je la décrirai par différence, en distinguant Mallarmé et de Verlaine et de René Guill. Chez Verlaine, est un poète tout de mélodie. Et Mallarmé dit de lui qu'il est celui qui reconduit la poésie à ses primitives épellations. Et donc le moment du lied, à mon avis, est celui où la mélodie de la langue reconduite à ses primitives épellations et la mélodie de la voix qui chante se touchent magnifiquement. Et Verlaine est ce poète-là. Mallarmé, lui, n'est pas un poète de la mélodie et ses vers sont même très souvent cacophonique. À la nue accablante tu, basse de basalte et de lave, le vers ne chante pas. Peut-être est-il aussi travaillé par la langue anglaise, puisque Mallarmé était un professeur d'anglais. Mais voilà, c'est une autre musique dans la langue française que fait entendre Mallarmé. Et Mallarmé n'est pas un mélodiste. Il est, dit-il, un syntaxier, et la syntaxe, pour lui, est un art des rapports. Et quand il parle de musique, Mallarmé pense très abstraitement, non pas mélodie, mais art des rapports, des relations entre les mots qui se font écho, indépendamment de leur sens premier. Alors, cette objectivité du son vocalique, consonantique, dans le poème de Mallarmé, pourrait rapprocher Mallarmé de René Guill. Sauf que pour René Guill, si les sons sont objectifs, ils portent en eux-mêmes une valeur. Alors que Mallarmé dit que cette valeur, ce sens, découle d'un travail du poème lui-même, qui, dans son jeu propre, chaque fois nouveau,
instaure entre les mots un réseau d'écho, des jeux de rapports spécifiques, bref, ce que nous nommons aujourd'hui une structure qui devient la condition d'apparition silencieuse de l'idée, énoncée alors dans son mystère proprement inouï. Pour dire le mystère, il faut une autre langue qui fera entendre de l'inouï, et c'est à cela que s'attache Mallarmé. Donc vous voyez, chez Mallarmé, la musique a deux fonctions. D'un côté, elle fait du poème un aboli bibelodinanité sonore, c'est-à-dire qu'elle vide les mots de la langue ordinaire de leur sens courant, premier effet de la musique. Et deuxième effet, la musique, en tant qu'elle est art des rapports, crée dans l'espace du vers du poème des échos nouveaux entre des phonèmes, indépendamment du sens des mots, et c'est dans ces échos qu'un sens inouï advient. Et ce qu'il y a de magnifique dans ce poème, c'est que c'est le dernier vers, musicienne du silence. Au fond, la réussite de Sainte est là, dans ce dernier vers, qui fait ce qu'il dit, puisqu'il est formé des voyelles les plus fermées de la langue, le U et le I, fermées, c'est-à-dire on pourrait presque les lire la bouche fermée, les lire des yeux, les lire mentalement, tandis que la diérèse, que Ravel fait très bien entendre, musicienne, allonge le vers jusqu'à son amuissement dans le silence, mais un silence devenu musicien, c'est-à-dire un silence poétique. Alors j'en viens maintenant à la partition de Ravel, si j'arrive à la trouver. Voilà. Alors, d'abord, au début de sa monographie sur Ravel, Vladimir Yankelevitch note la rapidité avec laquelle Ravel trouve la perfection. Et il dit que cela tient du prodige. De fait, quand Ravel met en musique Sainte en 1896, il a 21 ans. Et il a déjà mis en musique bien des poètes. Donc c'est important parce qu'il me semble que la musique dans cette époque-là cherche du côté de la poésie quelque chose qui porterait un renouveau. Les arts ne fonctionnent pas selon la même temporalité, la poésie aurait pris de l'avance et il faudrait que la musique suive. Donc les musiciens interrogent les poètes. Ravel, plus tard, y reviendra. Et il dira sa dette envers Edgar Poe, qu'il connaît sans doute par la traduction de Baudelaire et de Mallarmé, mais il dira, donc il apprend d'Edgar Poe cette rigueur qui élimine le hasard. Il revient à Mallarmé, il l'évoque dans plusieurs interviews qu'il donne, et au fond, même si son langage reste très lisse, ce qu'il nous dit, c'est que Mallarmé est le plus grand poète français parce qu'il a inventé la langue française, pas parce qu'il l'a réinventée, il l'a changée de l'intérieur. Ravel cherche lui aussi à renouveler le langage musical, et donc le couple Mallarmé-Ravel, c'est celui de deux alliés d'art, en quelque sorte, qui devaient se rencontrer. Alors, si nous examinons un peu plus précisément la partition, je noterai d'abord qu'elle porte l'indication générale liturgiquement, avec pour l'accompagnement la nuance piano, sans aucune nuance, jusqu'à la fin. Alors, il me semble, et c'était le sens d'une question que je posais ce matin, que ces deux mentions indiquent l'idée d'imiter le plein chant médiéval, le plein chant qui faisait valoir la voix syllabe après syllabe, sans ornement superflu. La redécouverte du plein chant médiéval est un trait d'époque, me semble-t-il, et Huysmans donne à Des Esseintes un goût tout particulier pour cette musique-là. Vladimir Yankelevitch, quant à lui, rapporte la manière de Sainte d'autres partitions, les proses lyriques de Debussy, Chausson, et aussi le Satie
d'Eros Croix, le satyre gothique d'Eros Croix. Voilà. Satie qui a la même ironie mystérieuse que Ravel et que Mallarmé en réalité. Pour Sainte, Ravel a choisi de souligner la structure du poème, composé, comme je l'ai dit, d'une seule phrase, pliée en deux, en deux fois deux quatrains d'octosyllabes, disposée de part et d'autre de deux points à valeur musicale. L'essentiel est la petite différence qui se joue entre les deux huitains. Vous l'avez entendu, dans le premier volet de ce diptyque, celui consacré à la Sainte de la musique, chaque ligne du chant, soutenue par l'accompagnement au piano marquant nettement les quatre étangs, s'accorde à la mesure du vers. Sauf à la fin de chacune des deux premières strophes, où la voix, jouant sur le même groupement de deux fois trois notes, isole deux fragments de vers composés sur le même schéma, selon flûte ou mandor, sol mi ré, sol mi ré, selon vêpre ou compli, do la sol, do la sol. Au contraire, après un silence plus marqué de la voix, au second huitain, consacré donc à la Sainte de la poésie, la partie chantée s'émancipe davantage par rapport à la rythmique de base donnée par le piano. Le phrasé vocal s'amplifie, il outrepasse la mesure du vers en enjambant d'un vers sur l'autre, accélérant le rythme et montant vers l'aigu en crescendo. L'accompagnement lui-même se fait moins hiératique. Les accords sont maintenant arpégés. Et si vous vous souvenez, l'arpège intervient juste au moment où apparaît dans le vers le mot « harpe ». Oui, très bien, j'ai presque fini. Et donc, d'un volet du diptyque à l'autre, Ravel fait sentir, au fond, la liberté que prend chaque art par rapport à l'autre. Et c'est ça l'union moderne des arts et le paradigme mallarméen de leur union, c'est en se séparant qu'ils travaillent ensemble. Alors, il faut en venir à l'effet final. Dans les deux cas, il s'agit de dire le silence. Ici, en poésie, l'accueillir dans la langue, là, en musique, l'accueillir dans l'art des sons. Donc, je vous ai décrit ce qui se passait dans le vers de Mallarmé. Chez Ravel, le dernier vers est énoncé sur la nuance du pianissimo. Il est allongé du fait de notes tenues qui étirent le rythme, tandis que l'accompagnement au piano ne marque plus le rythme sur quatre noirs, mais sur deux blanches qui ralentissent le phrasé. Surtout, le dernier accord, sur la dernière syllabe du mot silence, est un accord de neuvième non résolu qui suspend la dernière mesure dans l'attente d'une clausule qui ne viendra pas, sinon mentalement, dans l'esprit de l'auditeur, en un solitaire tacite concert. Donc vous voyez, et j'ai terminé, dans les deux cas, le défi était de dire le silence, d'écrire le silence. On pourrait dire que c'est le même silence, mais d'une manière presque irritante, il a deux faces. Une face ici élargie vers l'obscur, dirait Mallarmé, c'est la musique, scintillante là, dirait Mallarmé, c'est la poésie. Donc cette unité en horizon maintient la dualité des arts. Merci Jean-Nicolas pour cette intervention où on voit que dans ces quelques propositions du premier XXe siècle, on est sur des approches différentes, non seulement dans le rapport évidemment entre poésie et musique, mais aussi dans ce rapport à l'histoire, à la modernité qui se joue en quelques années. On connaît ça évidemment du côté littéraire, mais là c'est vraiment très clair dans le rapport aussi à la musique. Donc on termine cette session avec l'intervention de Déborah Livet, qui est docteur en histoire de la musique et musicologie de l'Université Paris-Sorbonne et qui est en charge d'enseignement à l'Université de Rouen. Ses travaux de recherche portent principalement sur la musique européenne depuis 1870, notamment le personnage de Salomé en musique, les compositrices au XXe siècle, les musiciens résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, et dans ce cadre-là, notamment le compositeur Paul Arma. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans son intervention, qui porte donc sur les chants du silence de Paul Arma. Merci beaucoup.
Effectivement, je vais continuer moi sur cette notion de silence donc, qui a été bien évoquée aussi dans la conclusion juste avant moi. Donc, les chants du silence de Paul Arma, mélodie de la liberté. Paul Arma est un compositeur qui est né dans une famille juive en Hongrie le 22 octobre 1904 sous le nom d'Imre Weisshaus. Il commence sa carrière en tant que pianiste après ses études réalisées à l'Académie Franz Liszt de Budapest de 1920 à 1924. Il y reçoit les enseignements notamment de Béla Bartók, son maître, qui restera pour lui un modèle tout au long de sa carrière. Après des tournées en Allemagne, en Italie et aux États-Unis pour se produire en tant que pianiste et faire découvrir au public américain des œuvres d'avant-garde, il ressent la nécessité en 1930 de rejoindre le continent européen. Il revient tout d'abord à Paris, puis il retourne en Hongrie et il finit par s'installer en Allemagne en 1931, au Bauhaus notamment, où il entreprend avec Ludwig Mies van den Rohe un projet d'enseignement de la musique et il y donnera notamment plusieurs conférences musicales. Malheureusement, le Bauhaus, vous le savez, connaît de nombreuses difficultés à ce moment-là à cause de la mise en place du régime nazi et il fermera ses portes quelques mois plus tard. Ressentant alors la nécessité de s'engager contre la montée de l'extrémisme, Paul Arma rejoint le KPD, le Communistische Partei Deutschland. Il travaille avec Kurt Weill, avec Bertolt Brecht, avec Erich Weinert et il va notamment, justement, dans ses activités du KPD, diriger des chorales amateurs. Et il commence aussi, à ce moment-là, à composer de nombreux chants de masse, qu'on appelle aussi des chants de lutte. Il est arrêté par les SS le 16 mars 1933 et il va réussir à s'enfuir. Alors tout d'abord, il va gagner la Suisse et ensuite, il va arriver à Paris. C'est pendant cette période qu'il change d'identité pour adopter le nom de Paul Arma, nom qui lui permettra de continuer à composer alors que l'on recherche Imre Weisshaus. En France, il souhaite retrouver la direction de chœur qu'il avait pu pratiquer et il va créer, au début de l'année 1937, les loisirs musicaux de la jeunesse, les LMJ, comme on les appelle. Il s'intéresse également, tout comme son maître Béla Bartók, au folklore, en faisant publier de nombreux recueils avec sa femme Edmé Arma. Ensemble, ils collectent tout au long, notamment de la guerre, des chants et des textes de résistants. Ils sont plus de 1300 réunis dans un tapuscrit qui sont encore aujourd'hui conservés au musée de la ville de Thionville. C'est également pendant cette période qu'ils composent les chants du silence qui vont nous intéresser aujourd'hui sur des textes de poètes français engagés dans la résistance. Il raconte dans ses mémoires « J'ai commencé à écrire une série de mélodies que je veux appeler chants du silence ». Silence parce que la liberté doit s'exercer dans le silence prescrit et parce que la vie essayant de continuer, il faut chanter ce silence pour faire entendre la vie. J'ai choisi dès 1942 des textes que j'aime et les musiques naissent peu à peu à la faveur des pauses rares. Ils seront 11, ces chants. Les derniers naîtront après la libération et après l'ombre de la clandestinité. Ils seront édités, dédiés à la mémoire de ceux qui ne sont jamais revenus. Ce sera donc en 1953 chez Eugel avec des couvertures prestigieuses et plus tard en disque avec la belle voix de Claude Gaffner. Les cris lancés par le musicien contraint au silence deviendront, lorsque le temps d'harmonie renaîtra, message de vérité que le graphisme, le verbe et la musique lanceront vers l'homme, l'homme d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Dans une interview pour un journal, on demande au compositeur pourquoi choisir le titre « Chant du silence ». Question à laquelle il répond parce que ces pièces furent écrites entre 1942 et 1944, à une époque où il était souvent préférable de se taire. Et là, on peut faire la comparaison avec d'autres compositeurs, et notamment peut-être la plus connue Elsa Baren, qui, va décider d'arrêter complètement de composer pendant la guerre, puisqu'elle ne trouvait plus de sens en fait à la composition. Donc elle reprendra la composition d'ailleurs avec un très beau texte de Deluard à la fin de la guerre en 1944. Ce n'est pourtant pas la première fois, ni la dernière, que Paul Arma va s'intéresser à cette notion de silence dans son œuvre.
L'une des toutes premières compositions, écrite entre 1922 et 1923, est une mélodie pour baryton et piano intitulée « Devant le bon prince, silence ». Paul Arma, à l'époque Imre Weisshaus, donc étudiant à l'Académie Franz Liszt de Budapest, comme je l'ai dit précédemment, et il raconte dans ses mémoires qu'il avait fait la rencontre à l'automne 1922 d'une jeune fille de 16 ans, pleine de charme, et il devient très vite amoureux de cette Dita. Amoureux transi, il compose pour elle cette mélodie « Devant le bon prince silence » sur un poème d'André Hadi. Mais peu de temps après, il apprend que son maître Bartok divorce pour épouser Dita Pastorzy, qui va devenir Dita Bartok. Incompréhension totale pour le jeune homme envers l'attitude de son maître qu'il vénérait et qui lui demande en sus, lorsqu'il découvre la mélodie, d'enlever la dédicace qu'il avait faite à Dita. Après les chants du silence, il faudra attendre 1975 pour retrouver cette notion de silence dans l'œuvre de Paul Arma avec Entre silence 2 écrite pour orchestre, Entre silence 1 pardon, écrite pour orchestre, Entre silence 2 pour orchestre à cordes et Entre silence 3 qui est une transcription cette fois-ci pour deux pianos. Quatre ans plus tard, en 1979, Paul Arma écrit cette fois-ci un quatuor à cordes qui s'appelle Silence et émergence, qui est, dont le manuscrit est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, mais qui n'a jamais été créé. C'est l'opus 290 du compositeur. En ce qui concerne maintenant la place de la mélodie dans l'œuvre de Paul Arma, on a pu constater qu'il commencera sa carrière de compositeur donc avec une œuvre écrite spécifiquement pour la voix et le piano. Comme je le précisais dans l'introduction, Paul Arma est un compositeur éclectique et il va composer notamment de nombreux chants de luth, et ça à partir des années 1930. Plusieurs seront écrits pour la voix et le piano, comme par exemple « Ils ne passeront pas » sur un texte de Robert Desnos en 1937, « La marche de Madrid », « La commune d'Oviedo » ou « Ceux d'Oviedo », « La nouvelle ronde », « Le chant de Telemann », « Le chant de Dimitrov » sur un texte d'Erich Vernert, tout cela en 1934, et peut-être le plus connu, je le cite, Ancouli, qui a été popularisé par Catherine Sauvage dans les années 1960. Mais tous ces chants de luth sont-ils à proprement parler des mélodies? On retrouve en tout cas la même verve créatrice de la part du compositeur, la diversité de traitement du matériau musical et aussi l'attachement à certains auteurs qui l'inspireront pour ses chants du silence. On trouve également chez ce compositeur passionné de folklore, deux œuvres inspirées des chansons traditionnelles harmonisées pour voix et piano, notamment donc une gerbe hongroise qui est ici à droite, qui s'inspire de cette chanson paysanne hongroise. C'est son opus 96, elle a été composée en 1943. Et un peu plus tard, en 1949, une gerbe française qui, cette fois-ci, s'inspire de chansons populaires françaises. Les chants du silence, donc avec sa première mélodie écrite pour Dita, figurent donc comme des exceptions dans le catalogue, pourtant riche de 303 opus du compositeur, la mélodie n'occupant pas une place prépondérante dans son œuvre. Injustement oubliés dans l'histoire de la mélodie française, ces chants du silence révèlent pourtant une approche très particulière dans la période historique pendant laquelle ils furent composés. Ils sont notamment contemporains d'autres mélodies engagées, comme celle de Francis Poulenc avec la mélodie C, extraite des deux poèmes de Louis Aragon, ou celle de Georges Auric avec ses quatre chants de la France malheureuse sur des poèmes d'Aragon, d'Éluard et de Supervielle. Liberté d'écriture littéraire, mais aussi musicale, tout autant que picturale, une approche singulière du genre qui servira au compositeur à s'exprimer en cette période de trouble. Même si Paul Arma choisit des textes très hétérogène pour composer ces 11 chants du silence, tous sont empreints de liberté. Quatre textes en prose, de Paul Claudel, de René Maran, de Ramu et de Romain Rolland, vont alterner avec des poèmes de Claude Aveline, de Jean Cassou, de Fanny Clar, de Paul Éluard, de Marie Gevers, de Vercor et de Charles Vildrac. Les 11 textes dont s'inspire le compositeur seront également illustré par 11 peintres.
Il s'agit d'une véritable volonté de Paul Arma d'unir les arts entre eux, un désir que l'on retrouvera tout au long de sa carrière. Il demande alors aux plus grands artistes plasticiens de l'époque de réaliser la couverture de ses mélodies. Et on trouve notamment donc des couvertures de Raoul Dufy, d'Henri Matisse, d'Édouard Pignon, de Pablo Picasso, de Maurice Estève, de Léon Guichia, de Fernand Léger, d'Anthony Clavé, de Marc Chagall, de Georges Braque et d'André Baudin. Les Chants du silence seront publiés en 1953 par l'éditeur Eugel, et dans un journal datant du 6 février 1953, on peut lire que cette pratique de la part du grand éditeur, je cite, de musique du quartier de la Bourse, de vouloir éditer des mélodies avec une couverture réalisée par des artistes était courante et lucrative. Il y a déjà quelques années de cela, avec des couvertures de Daumier, de Gustave Doré, d'Achille de Veria. On retrouve notamment cette pratique chez un compositeur du début du XXe siècle, comme Gabriel Dupont, qui a écrit de nombreuses mélodies malgré sa courte vie et qui avait illustré plusieurs d'entre elles par des lithographies qui avaient été réalisées par son frère, le peintre Gabriel Dupont. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les retrouver sur le site du Palazzetto Bruzzani où elles sont numérisées et qui sont vraiment très très belles. Même si cette donc pratique d'illustration existe depuis longtemps pour la mélodie, Paul Arma souhaite aller plus loin dans sa démarche, comme il l'explique dans cet enregistrement réalisé à la radio. Avoir fait participer à ces 11 œuvres autant de poètes et autant de peintres m'a permis de réaliser ainsi non une synthèse ou une juxtaposition des trois arts, mais une sorte de groupement des complémentaires qui donne l'occasion à chacun des trois éléments d'ajouter aux deux autres ce que lui seul peut exprimer réellement. Volontairement, j'ai groupé des tendances esthétiques et sociales les plus diverses, et les artistes auxquels j'ai fait appel, poètes et peintres, viennent d'horizons bien différents. Quant à la pochette du disque, qui est paru en 1978 avec Claude Gaffner au chant et l'auteur au piano, l'apport artistique de l'œuvre est encore mûrement réfléchi. Paul Arma demande au fils du photographe américain Edward Weston, qu'il avait rencontré à Carmel lors de sa première tournée aux États-Unis en 1929, le droit d'utiliser Iron Fingers, une photographie offerte à l'époque au compositeur par son fils Brett Weston, qui illustre là encore parfaitement la démarche souhaitée par Paul Arma, cette simplicité qu'il prône comme essentielle dans sa démarche artistique. 11 poètes, 11 peintres, un seul musicien. De ma musique, je ne veux rien dire, il ne m'appartient pas de le faire. Je veux seulement redire ce qui est pour moi une profession de foi. Ces chants du silence veulent être les témoignages de la simplicité dans l'art, comme ils sont les expressions de la simplicité dans la vie. Dirais-je que les peintres ont admirablement compris ce dessin, mais qu'on ne s'y trompe pas. Simplicité n'est pas facilité. Puissent les chants du silence faire entendre partout le message de vérité que la poésie, la peinture et la musique unies ont voulu lancer vers l'homme d'aujourd'hui et vers l'homme de demain. Les chants du silence sont tous traités musicalement de manière hétérogène, tels les dessins qui ont été réalisés pour chaque couverture qui s'adapte parfaitement à chacune des mélodies. La musique de Paul Arma s'approprie chaque texte pour y exprimer avec fidélité les quelques lignes de ses auteurs. Dans une interview réalisée pour le journal Musica en 1965, le compositeur écrira d'ailleurs au sujet des chants du silence « J'aime mes mélodies parce que j'espère y avoir exprimé ce que j'avais à dire ». Et Massimo Mila ajoutera « Le rapport entre les textes poétiques et le vêtement correspondant musical n'est pas analytique et dispersif. La musique ne cherche pas à aller derrière de simples paroles, mais plutôt à construire, cas par cas, un organisme équivalent au sens général du poème ». On a donc un procédé musical semblable à celui de l'obstiné, en ce qu'une figure, un motif,
Un germe musical bien individuel constitue l'ossature constante de chaque morceau. Paul Arma s'inspire de 11 poètes différents, 11 textes qui prônent la liberté et aussi cette volonté universelle de vouloir rendre hommage à tous ceux qui ne sont jamais revenus. Même si certaines mélodies, comme le chant funèbre pour un guerrier, sont des œuvres poignantes, il ne faut pas y voir ou plutôt entendre une œuvre mortuaire, mais une lutte pleine d'espoir contre la guerre et pour la vie. Paul Arma dira encore, je cite, « Jamais ma musique n'a exprimé la mort devant laquelle un compositeur, en vertu de son art, n'a pas le droit d'abdiquer. » Le piano joue des accords qui symbolisent le temps, ce temps du passage de la vie à la mort, temps de ce qui reste d'une manière obsédante. Ces accords suivent un rythme qui est obsessionnel et seront joués de plus en plus fortés comme soutien à la voix. Bien qu'il ait été élève de Béla Bartók et qu'il ait recueilli également de nombreux chants traditionnels et issus du folklore français, les chants du silence ne sont pas d'essence folklorique. On trouve seulement dans « Le roi avait besoin de moi », ainsi suite d'essence traditionnelle qui illustre parfaitement bien le texte de Fanny Clarke sur une forme assez simple de chanson à couplet, évoquant le laboureur qui ne veut pas aller à la guerre. Me l'a fait savoir par tambour, me fallait quitter mes labours pour aller au secours du roi qui avait grand besoin de moi. Devais lâcher le mancheron de ma charrue dans le sillon. Pourquoi diable, monsieur le roi, a-t-il donc tant besoin de moi? Comme nous pouvons le constater sur ce courrier de Paul Éluard, envoyé à Paul Arma, le poète choisit lui-même les 5 vers qu'il souhaite voir mis en musique. Ces 5 vers issus du poème intitulé « Bientôt », du recueil sur les pentes inférieures qui date de 1941 et que Poulenc mettra intégralement en musique en 1943 dans « Figure humaine ». La mélodie de Paul Arma se nomme « Confiance », sans doute cette confiance que Paul Éluard évoque. Cette confiance que le poète a dans les résistants, qui sont les beaux visages, les bons visages, qui sont sûrs de ruiner leurs maîtres, les monstres, sous-entendu les nazis. Au sujet de confiance, Olivier Alain écrira en 1953, la brièveté oculaire d'Éluard a suggéré aux musiciens un récitatif dont la mélodie se répète comme un reflet circulaire. Le dessin d'André Baudin est très sobre, bien qu'évoquant peut-être ces deux visages avec l'un écrasant le premier. Tel Éluard qui est sûr de la victoire des beaux visages sur les monstres dans sa dernière phrase. Arma rompt le discours de la musique, de sa musique, et il s'arrête abruptement avec un dernier accord sur le dernier mot du poème, comme s'il n'y avait rien à ajouter.
pas parler les monstres. Je les connais, ils ont tout dit. Les chants du silence de Paul Arma font résonance donc avec un acte militant suivi par plusieurs compositeurs pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, celui de se mettre en retrait pour une période plus ou moins longue ou d'interrompre son activité de compositeur. Ce ne sera pas pourtant le cas de Paul Arma, qui malgré son statut de juif hongrois réfugié en France continuera à écrire dans l'adversité comme s'il voulait continuer à faire entendre sa voix. Et cela même en pleine occupation. Ces chants apparaissent dans le catalogue du compositeur à la fois comme une continuité dans son travail de musicien, comme un fil conducteur sur les silences et comme une exception de genre dans son œuvre riche de plus de 300 opus. Ces mélodies sont aussi le témoignage d'une symbiose entre les arts, une volonté d'unir la poésie, la musique et la peinture, un véritable groupement des complémentaires selon le compositeur. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette intervention. Enfin, progressivement, les choses se complexifient, on va dire, par rapport à ce genre bourgeois de la mélodie qui peut apparaître comme enfermé dans un milieu très standardisé. On voit à quel point il y a des interrogations esthétiques fondamentales, bien sûr, sur le rapport poésie-musique, à quel point aussi la définition oblige à repenser toute une histoire qui se reconstitue derrière la mélodie à travers ces rapports que l'on construit avec le XVIIIe siècle, mais on a vu aussi tout à l'heure avec la fin du Moyen-Âge et qu'il y a toute une idéologie française qui prend corps d'une certaine façon dans la mélodie. Et là, on termine justement par quelque chose qui nous montre à quel point cet art, un peu pour une élite d'une certaine façon, est capable de se réorienter tout d'un coup avec la dimension chanson de troupe. Il y a quand même cet héritage brechtien, Veil, là, qui apparaît de façon très nette. Et comment la mélodie aussi, le travail de Paul Arma, est là aussi pour quelque part célébrer l'art au-delà de tous les conflits dans lesquels le XXe siècle a pu se retrouver. Comment l'histoire avec un grand H ou sa grande H interfère dans ce genre qu'on a dit bourgeois par excellence. Alors, il est temps maintenant de lancer la discussion. Nous avons, je pense, une dizaine de minutes, pas plus, 5 minutes au moins. Donc la parole est dans la salle. Alors Vincent Vivès. Merci beaucoup vraiment de ces trois magnifiques communications qui étaient vraiment lumineuses. Enfin, vraiment merci à tous trois. Mon objet me ramène plus proche de Jean-Nicolas Illouz et de son enthousiasmant travail, enthousiasmant avec le jeu de mots, enthousiasma, c'est le souffle de Dieu, l'inspiration, qui évidemment ici se trouve avec cette lecture de Mallarmé. Alors je voudrais juste trois petites remarques qui vont vraiment dans ton sens. Dans Sainte, on a l'anagramme de néant et de si, par exemple. Voilà.
Tu as bien montré, c'était génial, hein, le poids de la ponctuation des deux points en axe de symétrie inversante. Il y a aussi, par exemple, les deux relatifs dans les deux premiers quatrains, ce sont des qui, c'est-à-dire en position grammaticale sujet, alors que dans les deux derniers quatrains, ils sont en que, c'est-à-dire en objet. Le sujet a disparu au profit d'une sorte d'objet. Le livre est devenu un objet, mais plus un sujet. Et donc c'est le fait aussi, ce que tu disais, la disparition de ce pouvoir d'inspiration. Et juste dernier élément, cette musicienne du silence, évidemment, on pense à la solfémisation, hein, ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Le si, c'est Sancta Ioannes, c'est le Saint Jean dont tu as parlé très rapidement, c'est-à-dire qui sera présent dans Hérodiade. Mais ça veut dire aussi que donc, le si devient silencieux, c'est-à-dire les notes, la sonorité, et c'est aussi, je crois, mais ça c'était une question, il me semble que derrière ça, c'est aussi le fait que le verbe avec un V majuscule, qui était le souffle, le pneuma, celui qui inspirait, celui qui donnait qui faisait ces sciences de rapport entre le monde, devient juste un verbe avec un petit V, c'est-à-dire juste des lettres dont Mallarmé s'empare. Voilà, je voulais savoir si tu étais d'accord avec cette lecture. Oui, merci beaucoup Vincent, c'est vraiment très très subtil tout ce que tu nous dis, et donc vraiment merci. Le poème mallarméen est une machine à néantiser, à annuler l'objet, et voilà, là tu le montres en acte, donc oui. Tout à coup j'ai un doute, le si Sancta Ioannes, est-ce que c'est cela qui marque Diabolus in musica, le diable dans la musique? Non, ce n'est pas ça. Non, non. C'est juste les deux premières lettres. Oui, 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 oui. Mais donc, si Sancta Ioannes, vous savez que Saint Jean est une figure mallarméenne, et Saint Jean, c'est le saint décapité. Donc voilà une autre manière d'introduire du néant en coupant le souffle. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre ou moins question ? Oui, moi aussi j'ai une question sur Sainte, bien sûr. Vous avez décrit un mouvement de révélation entre le premier huitant et le deuxième, donc de quelque chose qui est au début voilé, caché, et qui ensuite va vers un état où elle ne l'est plus. Je me demande si... alors, tout d'abord, j'ai l'impression que vous avez souligné que les objets qui sont sujets à ce processus, ce sont... tout premièrement, les instruments, donc l'appareil qui est autour de la sainte, mais pas forcément la sainte elle-même. Donc je me demande si est-ce qu'on peut comprendre ce processus comme se référant aussi à la sainte elle-même, dans une sorte de métonymie peut-être, où les instruments deviennent quelque sorte un moyen de substitution par la figure de sainte Cécile. Et deuxièmement, est-ce qu'il est possible de voir un mouvement inverse? Dans le sens où l'instrument que vous évoquez, alors dans le deuxième mi-temps, est tout d'abord la plume, le plumage instrumental. Serait-il possible de comprendre ce plumage comme étant celui de l'aile de l'ange, donc quelque chose qui n'existe pas? Et donc qui partirait et dans ce cas-là le poème suivrait justement un mouvement qui part de quelque chose de concret, donc d'instruments qui sont tangibles, on flûte, on mandore, la viole, et qui va vers quelque chose qui est lui plus moins concret, justement plus abstrait. Et dans ce cas, les arpèges de Ravel prendraient un contre-pied ce mouvement qu'il serait peut-être aussi possible de voir. Et j'ajoute à la fin, il me semble
que c'était un article de Thierry Roger, mais je pourrais me tromper sur sa paternité, qui décrivait le fait que chez Mallarmé, il y a une expression qui a tendance à... qui tend vers l'aphorisme, donc qui est d'une certaine façon qui est particulièrement adaptée à être aphorisée, donc à faire en sorte que quelques phrases ici et là peuvent être extraites du contexte et réutilisées, comme vous l'avez fait aussi vous-même avec le Biblo d'Inanité Sonore. Donc est-ce que, selon vous, cela est aussi quelque chose qui joue dans la difficulté à mettre la langue de Mallarmé en musique, parce qu'il y aurait là une condensation d'expression qui est particulière à Mallarmé et qui ne se retrouve pas ailleurs? Merci beaucoup. Vos questions sont très profondes et complexes, mais j'essaie de répondre brièvement et on en reparlera. Les instruments mentionnés dans le poème, ainsi que les partitions, identifient Sainte-Cécile. Ce sont des métonymies d'elle-même, et c'est elle-même. Et on le voit très bien dans le tableau de Raphaël, que je vous ai projeté rapidement. Et en fait, il y a trois niveaux de musique dans le tableau de Raphaël. Tout en bas, il y a les instruments de la musique charnelle, on pourrait dire, celle qui fait danser, celle qui est sensuelle, qui s'adresse au sens. Au milieu, il y a un orgue renversé, c'est la musique liturgique. Et tout en haut, il y a la partition céleste, le verbe sur lequel on joue. Donc c'est les trois niveaux d'une ascension, en quelque sorte, à laquelle nous invite la musique, passer de son corps sensible, par le corps de l'Église, à une musique céleste, en quelque sorte. Voilà. Et en tout cas, Mallarmé, c'est peut-être le deuxième point dans votre question, dit bien que la musique du poème ne passe pas par les cordes, les cuivres et les bois, qui sont encore un support matériel. Et au contraire, Mallarmé ne pose le matériel que pour aussitôt le nier et tendre vers une idée musicale immatérielle, quoique ayant lieu réellement. C'est ça la petite folie du poème, il est réellement quelque chose qui n'existe pas. Attendez, j'avais noté, et je n'arrive pas à relire mes notes, votre dernier point. Attendez, c'était pourtant important, mais... Sur l'expression en aphorisme de Mallarmé, c'était peut-être ça? L'expression en, pardon, Qui se prête à être employée comme aphorisme, enfin à être détachée du contexte. Oui, c'est très important. En effet, Mallarmé fait une opération poétique extraordinaire, il enlève le verbe être. Elle, la musicienne du silence, il écrit musicienne du silence. Et si vous enlevez le verbe être, la syntaxe paravolo, si j'ose dire, quoi qu'il la maintienne, mais elle s'articule autour d'un lieu vide. Et ce lieu vide va prendre de plus en plus de place pour aboutir au coup de dé, qui appellera lui une autre musique, qui ne sera plus celle de la mélodie, mais celle de Boulez. C'est parce que dans la syntaxe de Mallarmé, il y a un vide central, ce qu'il appelle lui une centrale pureté, que la phrase va se décomposer. Alors, il y a encore une question, ça sera la dernière. En fait, il y en a deux. Bon, une question pour Déborah Livette, que je remercie infiniment pour son exposé passionnant. En vous écoutant, j'ai mieux compris, grâce à vous, que le terme silence possédait des résonances particulières à ce moment-là de notre histoire, c'est-à-dire qu'il était chargé de significations nouvelles qu'on trouve dans certains grands textes qui viennent de la résistance ou qui, par exemple, caractérisent la tentative de témoignage de ceux qui sont revenus ou pas des camps. Et donc, je m'interrogeais sur le rapport qu'on peut tisser peut-être et expliciter davantage à partir de votre remarquable exposé entre mélodie, mémoire et témoignage, mais je mets le témoignage en arrière-plan s'agissant de Paul Arma, bien sûr, puisque ce n'est pas l'objet, mais en même temps, on voit bien que ça prend le relais de quelque chose. Première question pour vous,
madame, et j'enchaîne tout de suite avant de me taire, pour Jean-Nicolas, une petite question portant sur, là aussi tu m'as rendu sensible, Jean-Nicolas, un point que j'avais un peu négligé dans ce poème, c'est-à-dire peut-être, mais tu me diras ce que t'en penses, l'écho du plumage hugolien, dont Mallarmé fait ici, orchestre la liquidation. Merci beaucoup en tout cas pour vos remarques. Et effectivement, alors le silence, je dirais plus que même c'est un devoir de mémoire. Alors effectivement, Paul Arma n'a pas pu témoigner, il n'a jamais, contrairement par exemple à Millau ou à d'autres compositeurs, il a eu cette chance-là, je dirais, de ne pas avoir été déporté. Il a vécu dans la clandestinité, il a réussi à survivre sous un autre nom. Mais pour lui, c'était vraiment important de témoigner, je pense vraiment, de garder en fait confiance, comme il reprend ce terme à Hilbert, de garder confiance, de pouvoir continuer aussi à s'exprimer. Il continue aussi de travailler avec sa femme. Il allait à la Bibliothèque nationale de Paris, on le sait, pour faire des recherches sur le folklore. Il a continué vraiment pendant l'occupation à composer, à publier, à diriger des chorales également, des chorales de jeunes. Il voulait vraiment, il avait cette volonté également de vouloir faire chanter un public même d'amateurs. Et alors, à côté de ça, il s'est arrêté un petit peu de jouer du piano parce que, bien entendu, à un moment donné, la radiodiffusion française ne pouvait plus, je pense, aussi l'embaucher. Et en plus de ce témoignage avec ses chants du silence, où il arrive à mêler en plus peut-être les plus grands artistes, résistants au niveau littéraire, mais également au niveau pictural après. En plus de ça, j'en ai parlé un petit peu, mais il a quand même recueilli plus de 1300 textes, poèmes et chansons de résistants, de résistantes, j'insiste aussi, et même des enfants qui étaient certains dans des écoles. Ils ont réussi, alors pendant la guerre, également après-guerre, en fait, ils ont fait des émissions pour pouvoir également recueillir encore d'autres chants. Je dirais, malheureusement, encore aujourd'hui, tous ces chants, ces poèmes, ces textes ne sont pas encore publiés. Ils existent. Au départ, ils avaient été donnés à un musée de la Résistance qui a fermé. Ils sont arrivés donc dans les archives de la ville de Thionville. Ils avaient essayé avec Edmé Arma de faire publier tous ces textes, mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais réussi, n'ont jamais trouvé preneur. Il existe une version un petit peu raccourcie parce que le pavé est assez énorme. En plus, il y a beaucoup d'air, à peu près un tiers en fait, de ces chansons, de ces textes en fait, sont des poèmes, sont des chansons qui sont écrites en fait, sur des airs connus. Tout simplement parce qu'ils ont été écrits par des personnes qui n'étaient pas forcément musiciennes. Et c'était également une façon de se cacher des Allemands, d'écrire sur des airs connus. Et voilà, donc pour ma part, j'essaye aussi de faire connaître un petit peu ces textes, ces chansons, avec un chanteur qui s'appelle Arnaud Marzorati, qui a repris aussi certains de ses textes, certaines de ses chansons. On va les faire d'ailleurs écouter à des lycéens là, jeudi prochain dans le cadre du Forum Normandie pour la paix. Et c'est vraiment aussi à la fois, je pense, ces témoignages sans doute qu'il souhaitait, cette volonté de ne pas oublier, de ne pas les oublier non plus, et de témoigner encore aujourd'hui, de peut-être continuer ce parcours aujourd'hui pour lui le faire connaître, également faire connaître tout son travail et tout ce qu'il a pu recueillir. C'était Jean-Nicolas, mais très brièvement. Oui, très brièvement, et avant de répondre à Henri, très brièvement aussi, je rebondis peut-être sur l'exposé donc de Déborah Livet. C'est étonnant combien le silence sonne différemment. Le silence est historique et sonne différemment. Et ce que je vous ai montré chez Mallarmé et Ravel, c'est que le silence est dans la musique, la prolonge. Alors que le silence que vous nous avez fait entendre coupe la possibilité du chant, l'interrompt. Donc il y a une sorte de violence du silence, à mon avis, due à l'expérience de la guerre. Enfin, voilà. Voilà. Donc le silence, le silence musicien de la mélodie à la Mallarmé Ravel est un moment du silence, de l'histoire du silence, et on ne peut pas faire silence de la même façon. Avec la guerre, oui. Voilà. Et pour répondre
à Henri. Oui, ben, sûrement le plumage, on entend le mage romantique, c'est toujours Victor Hugo. Et le livre vieux, ce n'est pas simplement la Bible, mais c'est aussi le grand livre romantique, la grande œuvre que Mallarmé ne maintient qu'en la différant, mais aussi en mineur, et en la chargeant, en la grevant de vide et de néant. Voilà, fallait aussi que Hugo meure pour que cette nouvelle mélodie soit possible. Merci à nos trois intervenants. Et donc, nous prenons une petite pause, toute petite, et nous nous retrouvons dans 5 minutes.